université. J'ai fait que la fac. J'ai commencé ma licence ici à Nantes. J'avais toujours dans ma tête l'idée d'aller jusqu'à la thèse. Donc j'ai suivi mon petit parcours jusqu'à mon M1. Je suis restée ici. Puis ensuite, je suis partie me spécialiser à Orléans pour mon Master 2. Et ensuite, je suis revenue ici pour combiner mes deux envies qui sont la planétologie et les volcans. Donc, une thèse sur les volcans de Mars, je trouvais que c'était plutôt approprié. Et je voulais plus faire la formation pour pouvoir vulgariser un peu mon travail. Et c'était un peu aussi comme ça, je me suis dit, j'arriverais à expliquer simplement à mes parents et à ma famille ce que je faisais, parce que même dans toute ma famille, personne n'est parti en géologie. Je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs. Donc du coup, c'est un peu flou pour eux sur quoi je travaille. Et c'est très spécifique. Une thèse, de toute façon, c'est toujours spécifique. Donc, du coup, je me suis dit, voilà, t'as 3 minutes pour qu'ils comprennent. Et apparemment, ça a marché, ils ont compris. On avait 2 jours complets, il me semble, de formation avec les formateurs. On a fait plusieurs fois en fait des tests de 3 minutes pour vulgariser sa thèse. Ensuite, c'était complètement carte libre, quoi. Donc chacun s'entraînait à sa façon. À peu près tous les soirs, je me le faisais une fois. Je me préparais au moins une fois. Je me suis entraînée plusieurs fois à l'amphi ici avec un micro, avec une projection, avec d'autres amis qui me soutenaient et me donnaient des conseils. J'ai fait des petits exercices aussi d'articulation parce que c'est un peu mon point faible. Donc voilà. C'est important pour moi de valoriser ma recherche parce que beaucoup de gens demandent pourquoi tu fais une thèse déjà, pourquoi c'est aussi spécifique et à quoi ça va nous servir. Pour la plupart des gens, on a tendance à croire que il faut forcément que c'est un intérêt pour l'humain, alors que je veux aussi expliquer que la connaissance scientifique aussi c'est important. Et au final, ça peut aussi avoir un intérêt pour l'exploration spatiale et pour si après on veut vivre, si on veut vivre sur Mars, comprendre l'histoire de la planète, comme on veut essayer de comprendre l'histoire de notre planète. Je me suis orientée vers la recherche parce que j'avais toujours envie de faire un peu ce métier-là où on se pose des questions, on fait des expériences pour y répondre et on réfléchit. Et c'est une sorte d'apprentissage perpétuel. Donc c'est pour ça aussi que faire 8 ans d'études, ça ne me dérange pas parce que j'apprends, je continue à apprendre. Je m'étais posé la question, comment coupler la planétologie que j'apprécie beaucoup avec sans pourtant faire des maths et de la physique. Et c'est là que j'ai travaillé sur tout ce qui est expérience en laboratoire, pour modéliser du volcanisme. Et du coup, après, quand la thèse sur les volcans sur Mars m'a été proposée, je me suis dit, c'est parfait, ça concilie mes deux passions, en quelque sorte, ce que j'ai toujours eu envie de faire.